Resident Evil 2. Laurent Magazine, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour la 8e émission de Resident Evil 2 Remake sur PS4 avec Leon S. Kennedy. Donc, la dernière fois, nous avons vu Ada Wong, agent du FBI. Nous avons combattu un gros monstre dont je ne vous donnerai pas encore l'identité. Ensuite, on a vu quelqu'un en cellule qui a été tué et on a vu juste une grosse main aplatir le visage. Donc là aussi, je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Et là, on se retrouve donc en dessous du parking. Donc, il faut aller chercher un système électrique afin d'ouvrir toutes les cellules. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre en main? Rien de particulier, je pense que ça suffira. Allez, on y va. Et on va remonter au parking. Je prends l'échelle. Voilà, donc on se retrouve dans le parking. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Hop, on va ouvrir le plan. Donc, les cellules, j'en viens. Donc là, il faudrait que j'aille à droite pour aller visiter donc, le chenil, le stand de tir et la salle du générateur où je dois me diriger. Voilà. Allez, et puis je vois qu'il y a la morgue, ça va être sympa. Alors, on avance et on entre. Donc là, j'y étais venu, mais j'avais tellement peur parce qu'il fait tellement sombre que c'est pas du tout agréable. Alors, je sais pas si vous entendez, on entend des hurlements. Allez, une plante bleue, ça on récupère. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? De la poudre jaune. Ok, est-ce qu'ici il y a quelque chose? Non. Alors eux, on va s'en débarrasser tout de suite. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Il y en a un au moins. Et là, il y en a un autre. Hop là. D'accord. Est-ce qu'ici il y avait d'autres trucs à récupérer? Je ne crois pas. Ici rien. Non. Je tourne un peu vite la caméra, mais j'ai tellement peur de me faire agresser. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, de toute façon, c'est bloqué. Donc il y a juste un endroit où aller. On va se diriger ici. On est dans la morgue. Alors, il faut maintenir. Allez, je vais y arriver. Rien du tout. Ici. Ah, une plante. Donc on va récupérer la plante. Ici. Des cafards. Ici, rien. On va tous les faire. Rien. Voilà, il y a un corps. Bon, apparemment, il n'y a rien de particulier. Ça, je récupère. Par contre, je vais l'enfermer. On sait jamais. Ouais, je suis un trouillard. Mais franchement, le jeu fait peur. Donc, bon. Ici, rien. Ah, elle bouge. Non, c'est bon. Non, apparemment, il n'y a rien de particulier. Elle, c'était juste des convulsions. Là, rien. Ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Rien. Bon, mais il ne reste plus qu'un. C'est peut-être là qu'il va se passer un truc. Ouais, il y a quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Je peux pas? Si. Alors, une clé, la clé carreau. Allez, c'est parti. Ouh là là.
Il est mort. Ouh là là, il y en a un qui arrive. Mais c'est pas possible, il se relève encore. Non. Ah mais encore. Reste par terre. Au secours. Mais c'est pas possible. Le mec, il en veut, hein. Donc, je crois que j'ai déchargé tout mon... Bon, là, qu'est-ce qui... Ah, il y a quelque chose. Rapport d'autopsie 53-477. Nom du défunt, Justin Hanson, homme blanc, 39 ans. Observation retrouvée mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises. Il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Ok. Bon, bah là, on sort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, il y a quoi d'autre? Donc, si je remonte ici, je viens à la salle du générateur. Ok, bah on va faire ça. Donc là, j'utilise ceci. Donc le grillage est en train de remonter, le rideau. Je sais même pas si je suis dans la bonne direction, on va voir. Hein. Là, il n'y a rien, tout est bloqué. Ouais, c'est tout bloqué, il n'y a qu'une seule porte. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Une plante. Ok, il n'y a rien d'autre. Ensuite, ici. Ah, là, il y a quelque chose. De la poudre noire. D'accord. Là, il n'y a plus rien. Si, là, il y a quelque chose. Composant électrique en boîte. Ah, bah, ça y est. J'ai retrouvé le composant électrique. Bon, bah, j'imagine que là-bas, au fond, il doit y avoir quelque chose. Là, il n'y a rien. Ah, il faut remettre un système électrique en marche. Ça. Gros hasard. Ouh là là. Je vois une tête de chien. Ouh là là, il passe par-dessus, l'enfoiré. Il est où? Il est passé par-dessus. Oh, j'ai les poils qui se dressent, je vous assure. J'ai tellement peur avec ce jeu. Bon, alors je me dirige vers la sortie. Donc là, il n'y a plus rien, on est bien d'accord. Où est-ce qu'il faut que je me dirige? Donc la morgue c'est fait, il faut que je repasse par le chenil et que j'aille au niveau du stand de tir. On sait jamais, il y a peut-être des choses à... Ouh, il est où, il est où, il est où? Bon là j'ai fui, hein. Mon Dieu! Mon Dieu, il m'a attaqué par derrière. Viens ici, toi. Mais il se relève? Ah ben, j'ai eu un trophée. Bon appétit, bien sûr. Bon, je l'ai eu. Je l'ai assommé. Là, il n'y a rien. Ok. Où est-ce qu'il faut que je me dirige? Ouais, je remonte. Ouais, je lui donnerai à manger à Léon, parce que là, il va falloir qu'il se soigne. Hein. Là, il n'y a plus rien. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais, il faut que je passe par là. Allez.
Donc là, il y a un stand de tir. Ah, est-ce que je peux les avoir d'ici? Non. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Destruction d'équipement. Objet à détruire, clé du véhicule de patrouille 7439. Détail, clé pliée, inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et le coffre de la voiture grâce au bouton. D'accord. Donc on a une boîte. Suivre, ok. Bon, on va la mettre là. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Ok. Et dedans, bah, j'imagine qu'il y a la clé, ou à moins qu'elle soit ailleurs. Non, c'est bon. Donc suivant, si je fais examiner... Ouais, d'accord. Ouais, pour l'instant, je peux rien faire de toute façon. Bon, eux, ils sont... Ah, ils sont déjà sortis. Bon, toi, tu restes par terre. Toi. C'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain du zoo de Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que certains garnements les utilisaient pour s'entraîner au tir. Et ça, ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis, c'est très dangereux, alors ne faites pas ça. À bientôt au zoo. D'accord. Bon, bah j'imagine que dans le stand de tir, doit y avoir quelques... Ah, bah là, on va utiliser la clé carreau. Là, il n'y a rien. Là, il y a une... Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pellicule. Ah, j'ai plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah déjà, je crois que je vais prendre à manger parce que je suis pas bien. Ok, ça, on va faire... combiner avec ça et combiner avec la bleue. Voilà, comme ça on en a une complète. Et ça me fait un peu de place. Ça je le prends. Ça je le prends. Est-ce qu'il y avait autre chose à récupérer ici? Non. Ok. Là, bah, normalement il n'y a plus personne. C'est bon. Ici, est-ce qu'on a autre chose? Oui. Des cartouches de fusil. Là, qu'est-ce qu'on a? Non. Hop. Ça, c'est bon. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Là, c'est pour revenir dans le commissariat. Donc, on va retourner. Je crois que j'ai tout fait. Je pense que maintenant, j'ai le système électrique, je peux aller dans les cellules. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête l'émission maintenant. Et comme ça, on verra ça la semaine prochaine. On verra la fois prochaine, pardon. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Je sais plus. Ah bah, il faut que je sorte par là. J'ai toujours peur qu'il y ait toujours un truc. Ah oui. Hop. Ouais, forcément. Il est où l'autre? Ah, j'ai la clé aussi. Il faut que j'aille voir. Ça doit être ça. Hop. Examiner. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui. La crosse pour Mathilda. Non, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà, on va faire... Ah. Ben, on va essayer de faire quelque chose intelligent. On va essayer de faire ça. Maintenant, si je prends ça... Voilà. Et est-ce que maintenant, je peux la combiner? Oui. C'est bon. Il y a encore du bruit. Non, c'est tout bon. Ok. Bon, bah, je vais redescendre. Bon, il n'y avait pas trop de problèmes ici, donc ça peut aller.
Donc je vous rappelle que j'ai trouvé, hop, on va regarder ensemble. Ici, examiner. Donc j'ai retrouvé un composant électrique en boîte, une boîte contenant un composant électronique. Je tourne. Ah, mais on peut ouvrir. Voilà, composant électronique, un petit composant électronique. Obtenu le composant électronique. Ok. Donc c'est bon. Donc je pense que maintenant il faut que je retourne dans la cellule afin de mettre le composant sur le panneau électrique. Et après, on verra bien ce qu'il faut faire. Et je vais surtout déposer aussi pas mal de choses parce que là j'ai trop. La pellicule, elle va pas me servir tout de suite puisqu'il faut que je retourne dans la salle de la chambre noire pour développer les photos. Ouais, tout ça, pareil, j'avais pas vu que j'avais autant de trucs. Ça, on dépose. Et ça, je dépose aussi. Tout ça, ça risque de me resservir, je sais pas. Voilà. Hop, on enregistre. Et ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. Merci encore à tous ceux qui me suivent et tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour que je sache comment vous jouez. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Donc ça sera la 9e. Donc voilà. Allez, ciao, ciao.